Quand on essaye de comprendre qu'est-ce qui régule les saisons, souvent on s'imagine que c'est à cause de l'orbite de la Terre autour du Soleil. En effet, si le Soleil... La Terre gravite autour du Soleil selon une trajectoire légèrement elliptique, c'est-à-dire qu'il y a des points où la Terre va être plus éloignée ou plus rapprochée du Soleil. Donc on représente cette trajectoire comme une ellipse, mais en général, on accentue la réalité puisque la différence entre le point le plus proche et le point le plus éloigné n'est que de 3%. Ce point le plus proche, le point de l'orbite où la Terre est le plus proche du Soleil, on appelle ça la périhélie. De Hélios, le Soleil, périhélie. Et par opposition, le point le plus éloigné, c'est aphélie ou aphélie. Et donc certaines personnes, selon cette logique, se disent, quand la Terre est plus rapprochée du Soleil, c'est sûrement l'été. Et quand la Terre est plus éloignée du Soleil, eh bien c'est sûrement l'hiver. En fait, cette vision est erronée, c'est pas la réalité, puisque je ne sais pas si tu le sais, mais autour de la Terre, tout le monde n'a pas les saisons au même moment. C'est-à-dire qu'il y a hémisphère sud et hémisphère nord, et lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, ce sera l'hiver dans l'hémisphère sud, et réciproquement, lorsque c'est l'été dans l'hémisphère sud, et réciproquement, lorsque c'est l'été dans l'hémisphère sud, ce sera l'hiver dans l'hémisphère nord. Donc voilà un premier argument contre cette idée, puisque la Terre ne peut être qu'à une seule position de son orbite à un moment donné, et pourtant il y a plusieurs saisons possibles sur la Terre. Et un autre argument qui va contre cette idée, c'est que la périhélie a lieu en ce moment au mois de janvier, c'est-à-dire tandis que l'hémisphère nord est en hiver. Donc ça ne peut pas être synonyme d'été. Donc si ce n'est pas la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil qui dicte les saisons, qu'est-ce qui en est responsable? Nous allons voir dans une prochaine vidéo que c'est l'inclinaison de la Terre par rapport à son axe de rotation.